Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi. Cette semaine, direction les Deux-Sèvres et plus précisément la commune de Coutières. Depuis 2004, a été créée ici une école de cinéma pas vraiment comme les autres. Dans ce lieu intimiste, au cœur de la faune et de la flore, on apprend aux étudiants à réaliser des films de documentaires animaliers. L'IFCAM, Institut francophone de formation au documentaire animalier, est une régie du département des Deux-Sèvres. C'est une école ouverte à tous et dont l'admission se fait par dossier. On y accueille des jeunes pour 2 ans avec des promotions d'un maximum de 15 étudiants qui apprennent ici tout le processus de création d'un film, de l'écriture à la réalisation, avec évidemment toutes les techniques, notamment celles spécifiques au cinéma animalier. Alors spécifique, c'est toutes les astuces qui permettent d'approcher la nature, de filmer dans des conditions respectueuses de l'environnement, parce que dès qu'on va dans la nature, on dérange nécessairement. Et donc nous, on travaille ici avec un objectif, celui de déranger le moins possible les animaux que l'on rencontre et la flore que l'on piétine. Un cursus en 2 ans de l'écriture à la réalisation en passant par le montage vidéo, une formation complète et unique en France et en Europe. Moi j'étais intéressé par les animaux un peu comme tout le monde quand on est jeune, et puis après on essaye de continuer à s'accrocher. Et moi c'était le cinéma qui m'intéressait beaucoup, et quand j'ai vu que je pouvais réunir mes deux passions, j'ai un peu sauté dedans, quoi. C'est parfait, quoi. L'école est géniale pour ça. On a commencé à toucher aux caméras assez vite, on a commencé à avoir des cours aussi théoriques, hein, parce que c'est du naturalisme aussi qu'on fait, et du coup on n'aborde pas la chose de la même manière. On est obligé d'avoir des connaissances théoriques du milieu dans lequel on s'introduit pour filmer au préalable, quoi. La formation, elle est divisée en 2 dans l'année. On passe toute une première partie de l'année, les 6 mois, en fait, à faire des cours, à apprendre un peu un côté naturaliste, à apprendre à cadrer tout ça, à utiliser les caméras. Et puis après, deuxième partie de l'année, on va tourner pendant 4 mois à peu près. Et là, c'est vraiment sympa, quoi, du coup. Et moi, j'avoue que toute cette partie-là, j'ai complètement adoré, parce qu'on est assez indépendant, on est obligé de se gérer nous-mêmes. Et puis, on est à fond dans notre projet, donc forcément, c'est assez motivant. Donc là, actuellement, je travaille sur le mouvement des animaux. Donc c'est un 15 minutes qu'on doit réaliser pour la première année. Et donc c'est le mouvement des animaux et sa perception, voilà. Et s'amuser un peu à comprendre comment volent les bus, comment marchent les chevreuils et tout ça. Le but, c'est vraiment qu'on touche en fait à toutes les étapes de la réalisation d'un film, donc écriture, voilà, scénario, montage. Et après leurs 2 années de formation, les élèves peuvent présenter, lors d'une 3e année facultative, un véritable film documentaire. À quelques kilomètres de l'école, se tient chaque année le Festival du film de Ménigout, un festival qui présente des films de documentaires animaliers et dont les fondateurs sont à l'initiative de la création de cette école. Ici, les élèves de l'IFCAM sont des acteurs majeurs de ce festival, stand, web TV ou encore accueil du public. Un premier contact avec le monde professionnel du documentaire animalier et une bonne manière de faire le lien entre la théorie et la pratique. Alors l'IFCAM, bien sûr, c'est quelque chose qui est né suite au festival, bien entendu. Il n'existait pas d'école de formation au cinéma animalier. Certains réalisateurs se posaient la question de ce manque. Et voilà, l'idée est venue de former, de mettre en place cette école de cinéma animalier. Je crois que nous sommes à 12 de promotions. Et c'est magnifique, puisque d'abord c'est un rajeunissement évidemment sur notre population, puisque avoir 24 ou 30 étudiants en permanence ici, c'est tout à fait bénéfique. Et en même temps, c'est aussi une bonne relève pour notre festival. Pour ces 2 étudiants de la promotion 2011 de l'IFCAM, la consécration pour cette année 2018,
un film documentaire présenté en compétition au Festival de Ménigout. Là, cette année, c'est un petit peu la concrétisation parce qu'on se retrouve pour présenter un film. Donc, ouais, ça fait plaisir de se retrouver ici et de venir présenter un film et représenter finalement l'IFCAM aussi, montrer le travail qu'on a fait, ce qu'on a pu apprendre sur ces dernières années. C'est cool. On a choisi de faire un film en plus sur l'ours brun, qui est une espèce assez menacée en France et qui est très difficile à voir en sauvage. Donc on a commencé notre premier film seul sur un animal extrêmement dur à filmer. Donc ça nous a pris à peu près 3 ans pour avoir assez d'images pour faire un film sur l'ours. C'est quand même un milieu qui est assez fermé, mais disons qu'avec la persévérance, ouais, on arrive petit à petit à se créer un bagage, à se créer un nom et à essayer du coup de sortir de l'eau et faire quelque chose. Et si ces deux étudiants n'ont pas reçu de prix, ils ont grâce à leur film posé un pied dans le monde professionnel suite à leur formation à l'IFCAM. Un master qui pourrait être rattaché prochainement à l'université de La Rochelle.